Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Hogwarts Legacy. Alors, lors du dernier épisode, on était allé à Préolard, on y est toujours d'ailleurs, on a fait quelques emplettes. Et à la fin de l'épisode, je vous ai dit que j'allais aller chercher toutes les pages des livres qui traînaient dans le village. Et c'est chose faite, donc on a pas mal avancé en réalité. Ça m'a pas pris très longtemps, ça m'a pris une quinzaine de minutes à me balader un petit peu. J'ai vraiment fouillé tout ce que je pouvais, sauf les endroits où on a besoin du sort pour les serrures, bien évidemment. Et regardez, donc du coup, j'ai validé les trois étapes qui sont là, donc on a récupéré ces trois items, si j'ai envie de dire, sauf que pendant le dernier épisode, je me demandais en fait comment on faisait pour récupérer ces trucs-là, mais en fait, c'est pas un objet en lui-même, c'est une apparence pour un objet. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on va pouvoir faire, enfin, récupérer de l'équipement bourrin et lui appliquer une apparence qui nous plaît éventuellement, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, on va reprendre la mission là où on en était, on va aller voir notre ami Martine, qui s'appelle Nati en vrai. Et c'est parti. Alors attendez, par petit acquis de conscience, parce que je n'ai pas fouillé cette zone. Oh, il y avait quelque chose là. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Si, il y a une page. Ah. Franchement. Hop. Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Prêt-à-sorcier. Quel petit jeu. Oui, regardez, attendez, attendez, attendez. Il y a quelque chose là. C'est de l'or ou je m'y connais pas. Ah. Oh, il y a un coffre aussi ici. Attendez. Vous voyez, j'ai fouillé tous les extérieurs du village, sauf l'intérieur. Alors, comment on fait pour aller là-dedans? Il est bien là, le truc. Ah non, il est de l'autre côté derrière. Est-ce qu'on peut passer, mesdames? Excusez-moi, excusez-moi. Alors, tu devrais être dans le coin, toi. Là, je le vois. Au moment où j'ai lancé le sort. Hop là. Eh ben, 21 pièces d'or, hein, ça valait le coup de faire le tour. Hein. Parce que pour l'instant, on n'est pas très très riche. Ok, Nati, on rentre? Ah, j'ai tout. Ouais, notre personnage a un petit look. Non, c'est dégueulasse pour l'instant. Mais bon, on peut faire, on peut pas faire mieux. À se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Ah, moi, je me suis bien baladé. Hein. Oula. Ah, les expressions des visages sont vraiment cool. Oulala! Mais c'est les brutes dans Halo! Avec les armures rouges comme ça, là. Oh, je veux jouer. Laissez-moi aussi faire ça. Oh, je veux Bombarda. Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Il est en colère. Bon, même... J'allais dire même pas, mais si... Oh là là, il y en a un deuxième. Oh, pour le bâtiment. Contrôle, esquive, ok. Donc on peut faire des esquives au dernier moment. D'accord. Oh, j'ai pas esquivé. Bon, par contre, on peut lui mettre les vieux ça. Oh, oh. Lancer magie ancienne. Ouh, oulala, ça pique. Oh bah c'est génial. J'essayais de le battre à son propre jeu. Ah, je peux récupérer plein de trucs par terre. Ça me plaît. Continue. Là, il y en a un autre. J'ai même pas besoin de me retourner. Ouais, juste pour le plaisir. Ah non, il y en a plus. Bim. Bim. Hop, oh, hop, 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 on va esquiver. Hop là. Tiens, prends ça dans la tronche. Oh, il faisait pas le poids. X pour invoquer de la magie ancienne. Vas-y. Oh! Oh punaise, j'ai eu un frisson. C'est énorme. C'est moi qui ai fait ça? Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui. Eh ben, je crois que j'ai des pouvoirs vraiment cachés, quoi. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Bien sûr, officier. Oui, on peut faire ça. Ouais. Officier Singer, encore une fois, merci. Pardon, j'ai eu une image de la team, enfin, de l'infirmière Joël dans Pokémon, je sais pas pourquoi. Réparer les dégâts. Ah, alors attendez. Réparo. Domus, réparo. Je vais aller voir. Domus pour maison, je sais pas.
Ok. Là, il y en a apparemment. Voilà. Ok. Ah non, il n'y avait rien là, d'accord. Ça a scindé? Bah oui. Heureusement qu'ils n'ont pas fait trop de dégâts. Eh ben oui, mais quand même. Hein. Oh, c'est génial, j'ai l'impression de jouer au Lego Harry Potter du coup avec le côté réparation. Et il n'y avait pas un truc là? Réveillon. Et... Hop là, une petite page en plus. Ah non, c'était pas la bonne touche. Voilà, c'est ça que je voulais. L'officier Singer aura une chose de moins à régler. Là? Il en reste un. Là. Allez, où? Eh ben, c'est plutôt pas mal. Ni vu, ni connu. Il s'est rien passé. Faut que j'aille où? Parler aux commerçants. T'es où, Martine? Je l'ai perdu. Ah ben, elle est là. Elle m'attendait. Nous parlions justement de toi. Nati, faut que je me rappelle de... Eh ben allez. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je cool, on va avoir un équipement, c'est sûr. Affronter ces trolls et aider à remettre Préolar en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu... De rien. Aboule, l'objet magique. Je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Alors j'ai cette petite intuition aussi, et je crois qu'il faut effectivement faut qu'on parle de notre look, donc je vais dire merci monsieur. Merci monsieur Hill, c'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici, prenez votre temps. Et on a 669 l'air de rien quoi. Alors, ça coûte rien et ça nous fait offensive x 5. Et là, ce que je voulais regarder, c'était les trucs en dessous. On n'a pas les prix, j'aurais bien aimé voir les prix. Ah, attendez, ça va peut-être être déverrouillé après. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, écran d'équipement. Oui, alors ça j'avais vu, attaque et défense. Sélectionner l'emplacement cap et tenue. Appuyez sur machin. Voilà, on a gagné un petit peu plus. Ah, on est retourné dans la boutique. Ça vaut quoi 500? Alors, à savoir qu'en fouillant Préolar, je suis tombé sur un truc extraordinaire. Donc, c'est pas les légendaires, mais c'est le niveau du dessous. Mais le problème, c'est qu'il est moins efficace qu'un truc du dessus que j'ai trouvé après. Un peu toujours le même principe dans les jeux de loot. Donc, imaginons, on veut un truc extraordinaire. 500 pièces d'or, 500... Non, j'ai cru que j'avais acheté. J'allais dire, non, je suis pas assez riche. Ok. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la... C'était une visite vraiment extraordinaire. Ouais, tu dis ça à mon bonnet. C'est pas bien de se moquer, monsieur. Plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux trois balais? Ça me semble être une bonne idée. Une bière au beurre pour se détendre d'avoir buté un troll? Ouais, ça me paraît bien. Oh, regardez, il y a une pièce. Il y en a une autre derrière aussi. Là, je commence à prendre l'œil. Oh, il y a autre chose derrière là-bas. Là, j'ai vu quelque chose, c'est sûr. Strutoscope. Magie noire, d'accord. Ah, ça peut être pratique, ce machin. Attendez, j'ai vu un truc, là, qui brille aussi. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi ce truc brille en jaune? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que je peux peut-être éventuellement... Action. Non. Et ça, c'est quoi? Leviosa. Reparo. Action. Non, bon, je pense qu'il faut un sort hein, pour ces trucs-là. Ok, bon, on va y aller. Ça, Nati, je t'ai pas trop fait attendre.
s'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Syrona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Ça me va. Qu'est-ce qui explose là-bas au fond? Là, vous avez vu, il y avait des espèces de petites paillettes ou... Ce style. Ouais, bah c'est un gars qui descend les escaliers, non? Oh non, regardez, il y a le gros vilain. Ranrock ou je sais plus quoi, c'est ça. Enfant quand il serait après Olar, que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Ouais, c'est moi. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Discret les deux autres là-haut. Allons-y. Alors, la logique aurait voulu que vous partiez de l'autre côté du coup, parce que bah, là vous vous êtes passé vraiment dans le champ quoi. Non, je ne crois pas. Non. Avec Victor Rockwood. Ranrock est de mèche avec Rockwood. Ah ouais, je crois que Rockwood, on nous avait dit que c'était quelqu'un de pas bien après Olar, en tout cas. Juste avec, je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux trois balais. Bah, c'est peut-être pas le moment d'aller boire une bière. Non mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que si, c'est le moment d'aller boire une bière. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Syrona. Bonne chance, alors. Halt. On peut demander droit d'asile ou pas? Ça marche? Bon, qu'est-ce que je... Oh! Voilà un visage qui m'est inconnu. Enchanté. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. Mais si tous les bars pouvaient faire ça, ça serait génial. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après Olar? Ça n'était jamais arrivé. J'avais envie de poser la question, genre, c'est courant ou... Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... Ah oui, du coup, il vient nous chercher comme ça? On va se fighter? C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Syrona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Boum! Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Ah, direct. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète... Cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Bah, je viens de défoncer un troll, alors peut-être que ça pourrait te calmer, non? Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Fais gaffe, faut que je presse W. Ça va te faire mal. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Ah, ça veut dire quoi? Tu nous attends dehors? Ouais, va-t'en, et tocard. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Mais je le connais pas. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Ah, ok, elle a préchote que j'allais dire ça. Les trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Oh, ces lunettes, elles sont incroyables. Je pense que le moment est venu de retourner. Oh, il y avait, ça brillait en face de la cheminée. Attends, moi je pense que le moment est de chercher les pages. Oh non. Faut vraiment être devant par contre. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans cette auberge? L'escalier. Oh, il y en a partout. Alors le premier ça doit être ici, j'ai l'impression. Et 39 pièces dans une poubelle, ça vaut le coup quoi. Alors que dans le coffre, casquette renaissance, je vous en prie. Je pense que ça peut pas être mieux, enfin pire que mon bonnet de nuit là. Hop. C'est vrai qu'on avait trouvé un chapeau de feutre floral, mais il faut être niveau 8 et on l'est pas encore.
J'ai dit quoi il y a deux secondes? Il est magnifique. Là, 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 là. C'est un poète, j'y peux rien, moi. Alors, c'est par où? Rebellio. Ah, ça serait dehors. Tac. Ah bah, il y a une porte, là. C'est quoi? C'est les chambres, c'est... C'est la rue. Tu peux voir? Et c'est pas l'escalier où il y avait les méchants, il y a deux secondes? Le mec n'a absolument pas... peur. C'est pas le méchant, celui-là. Je te préviens, je sais pas me battre. Enfin, un petit peu quand même. J'ai mis une fessée à un cinquième année. Bon, Nati. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre. C'est mieux que le bonnet, quand même, c'est mieux. Tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Ça marche, on a assez passé de temps comme ça après Olard. Alors, vous devez retourner à la salle commune pour la nuit. Eh ben, go. Ça aurait été une journée plutôt chargée, quoi. Carte de Poudlard. Et ma salle commune, apparemment, elle serait dans l'aile sud de mémoire. Allez. Ah, rien de mieux qu'une bonne petite nuit de sommeil. Quête terminée, bienvenue à Préolard. Allez, niveau 8, on va pouvoir faire le. On va pouvoir changer de chapeau encore. Avec un peu de chance, il sera encore mieux. Ah, c'est mon hibou? Je l'avais jamais vu jusque-là, on peut rien faire. Rebellio. Ah bah, hibou express, quand on parle de ça. Oh, lire le courrier. Ah, faut que je passe par le guide. Professeur Fig, venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringott. Ça marche. Bah moi j'ai découvert des trolls. Enfin c'est eux qui m'ont découvert. Lire le courrier, d'accord. Du coup. Ouais, on va y aller comme ça, parce que j'aimerais bien refouiller une petite partie du château. Alors c'est par en haut. Tac tac tac. Ah, là, il faut toujours le truc de serrure qu'on n'a pas. Qu'est-ce que vous mijotez ? On va y aller à l'ancienne, tout simplement parce que j'aimerais bien voir en fait l'espèce d'énigme que j'ai vu au deuxième épisode, si je dis pas de bêtises. Ouais, au deuxième. Et que j'ai toujours pas avancé dessus. Ah, faudrait que j'aille là-bas. Non, mais nous, on était allé par là-bas avec la prof. Donc, on va aller là-bas. On récupérera après. Oh! Réparo. Non, c'est pas le bon sort. Là, me dis pas que je peux pas t'avoir. Voilà. Et on est parti par où avec la prof? Ah bah c'était un truc comme ça que je cherche. En gros, ma théorie, je pense que ça, vous voyez, là, on a un point, donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette une valeur sur le point d'interrogation qui est là, donc en gros, ici. Donc là, il faudrait qu'on trouve un truc, ça fait 4, au total, il faudrait que ça fasse 6, et ça c'est où? C'est là. Donc ça serait 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si ça vaut 3, c'est pas possible. C'est pas possible, ça dépasse. Oh, ou alors, ça serait... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ça ferait 4. Et ce truc-là, ça ferait donc 2, ce qui ferait 6. Et il nous faudrait 0. Là, ça marcherait. Donc là, il nous faudrait... Mince. Le hibou. Le petit souci. Rebellio.
qui me manque. Celui avec les deux, en fait. Là, c'était un point d'interrogation. Il y aurait un deuxième point d'interrogation. Je suis pas sûr que ce soit ça, du coup. J'en sais rien. Mais où serait ce machin? Ah, ou alors il y a une clé et ça ouvre un deuxième truc? Je suis sûr d'en avoir croisé un où il y avait deux interrupteurs. Et l'autre, le premier que j'ai vu... Rebellion. Il y a une page là, non? Hop là, les sabliers de points des maisons. Ah, j'ai gagné des points pour Gryffondor. Oh. Copain, applaudis pas un sablier, c'est nous qu'il faut... Faut peut-être qu'on s'active, quoi. Du coup... Ouh, il y a une autre page ici. Il y en a partout. Ok, par où elle nous dit d'aller? Par là-bas, la petite machin. Après, on pourrait peut-être se TP. Parce que vous voyez, là, il y en a encore un, des trucs... Oh. Alors, c'était en train de charger l'extérieur. Hop. Yes, la grande cour. Revelio. Ouais, j'ai envie d'y aller à l'ancienne. Ah, ça charge. Classe. Trop de fumier de dragon dans tes semis de cricasse. Ah, il y a quelqu'un qui marche sur un mur. Ah, une petite cheminée là. Quel plaisir de vous revoir. Qui es-tu ? Plaisir de se revoir. Ouh, il y a des gens qui font du balai là-bas. Ok, interagir, ça fait quoi? Bon. Bah là, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. On va passer par ici. Faut descendre. Et remonter. Ah mais c'est là, c'est ça l'emplacement que je cherche. C'est ici? Je reconnais le dragon qui fume là. Attendez, on va aller voir. Alors de quel côté c'était? Oh, il y a quelqu'un. Oh, une quête annexe. Je veux... Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Pourquoi j'ai cette casquette? Tu te poses pas la question? Alors, il y a d'autres tableaux comme ça? J'en ai vu plein en réalité. Dans le reste de l'école. Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Alors, qu'est-ce que tu sais? As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Ah, merci. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Quelque chose me dit que oui. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre... Lumos. C'était comment déjà, Lumos? Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Une statue d'un monsieur un peu enrobé. Ouais, il va se trouver carrément aux alentours parce qu'on voit le meuble là. Ok. Je suis enrobé. C'est pas par là, ça doit être de l'autre côté du coup. Ma mère m'a envoyé... Ah bah. Le jeu nous l'indique, j'avais même pas regardé le radar. Un roi représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Revelio. Oh, il y a un papillon en haut. Protego. Lumos.
Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Ah, c'est là où je voulais vous emmener. Vous voyez, il y en avait un, mais je crois pas qu'il y en a un deuxième. Le cadre. Ah. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Parfait. Ah bah elle est juste là, elle l'a peut-être vu, Lenora. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? Allez, en 3 minutes. Comment ? T'as passé combien de temps dessus ? J'ai suivi les indices. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Ça va, tu le prends bien. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. Tenue royale bleu cobalt. Oh oui. Je suis un peu une victime de la mode dans ce jeu. Du coup. Équipement. Ah, c'est qu'une apparence, j'imagine. Ok, mais en tout cas... aucune amélioration. il passe vraiment par tous les styles. Hop là, bon pour l'instant on reste comme ça. Je vais voir les quêtes. Non. Ok. Bon, parler au professeur Fig, mais avant ça, j'aimerais bien vraiment aller voir ce truc là. Ah, par contre, c'est une vraie porte, ça. Oula. Ah, ça donne dehors. Revelio. C'est la bibliothèque. Il y a un coffre. Je veux le coffre. Est-ce qu'il est possible? Oui, de ne pas reproduire dans la vraie vie. Bon, ben je pense qu'il nous faut un sort pour pouvoir aller là. Allez, on va aller au truc que je voulais regarder, si ma théorie est peut-être la bonne, mais je suis pas sûr du tout. S'ils n'ont pas tous deux... Il y avait quelque chose là-haut. Je suis sûr que j'ai vu un truc. Non. Il n'y avait rien. Oh, il est là, le deuxième. Ok, les deux points sont là. Le petit est là. Alors, on va voir un petit peu. Alors, 11. Ah, mais si, pour être sûr, on va faire celui d'en bas. Donc, l'espèce d'araignée. Elle est en position combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, du coup, parce que dans l'autre, ça me paraissait bizarre. Pour moi, ça serait 0, 1, 2, 3, parce que sinon, on avait dépassé dans l'autre. Donc là, ça serait 6. 1, 2, 3, 5. Donc 5 plus l'espèce d'hydre, plus 9, ça ferait 15. C'est ça, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc ça ferait... je dis quoi? 9 et 5, donc 14, donc ça ferait 3. Ce serait donc l'espèce d'hydre aussi. Ouais, il y a plusieurs hydres. Du coup, allons là-haut, essayer de faire ça. Juste pour voir. Oh, c'est laquelle d'hydre? C'était la première, hein, je crois. Voilà. Mais vas-y, fais pas ta chuchote. Donc ouais, c'était bien l'autre hydre. Et là, donc, on aurait 11 plus 2. Donc ça ferait 13. Donc il nous faudrait 8. Ça serait donc l'araignée. Yes, c'est ça, ok. Bon, je pense que c'est tous le même truc en plus, du coup, quoi. Il y en a au moins 3 de ces machins-là. Gant de duel de mage noir, génial.
Énorme table décorée. Excellent. Rebellion. Juste pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une statue. Alors, on va voir ces petits grandes mages noires quand même. Hein. Parce que faut pas être honnête, mais... Oh non, niveau 9. Ouh, par contre, ils sont bien plus énervés. Ça me va. Allez, on va voir le professeur. C'est par où? C'est par là. Bon, on a bien fait de venir, hein, franchement. Oui, là, on est déjà venu plusieurs fois. J'ai entendu dire que tu protégeais... Ah, il y a une quête annexe. On va la prendre. Hop, petit lag. Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Non. Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Bah pourquoi? Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joies. Léandre Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? Non. De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Ça me semble pas terrible. Bah allez, soyons mignons. Des bave-boules? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. Ah, il va falloir que j'aille chercher des trucs là, tu me dis. C'est un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin. Ah, alors j'ai peut-être pas non plus. Généreux et talentueux, Ned. J'apprends quoi. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules depuis leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. Et la personne qui gentil. A caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Tu n'as aucun ami à l'école? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. Allez, je peux rien te promettre. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à... 250 bave-boules à récupérer. Non. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Trouver les bave-boules de Zenobia. Bon, vous savez quoi, on va aller chercher juste le premier pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, à mon avis. Il a l'air d'en avoir un juste là. C'est dommage de se priver. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Là, eh ben, tout simplement, on va faire un petit... C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Ils sont loin. Bon, on va faire ça, et à mon avis, on finira par la quête du professeur Fig, à mon avis, une prochaine fois, parce que là, il va falloir aller se balader. 40 mètres, j'ai pas besoin de monter. Ah si, je... Oh, 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 oh. Viens là, toi. Quoique d'un côté, ça nous permet de fouiller un peu le château. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Réveillon. Il y en a un là, regardez. Action. Il y en a un autre là. Ils doivent vraiment pas l'aimer. Hein. Voyager était incroyablement pénible avant de nous avoir la bourre de cheminée. Waouh. Alors, j'avoue que je suis quand même tenté par cette échelle qui arrive comme ça là. C'est peut-être pas de très bon augure ce tableau là. Oula.
côté. Au nom du professeur Black, je suis honoré en tant que directrice adjointe de vous proposer ce poste de professeur de divination. Nanana. Merci de nous faire part de vos intentions. Ok. Ah, et c'est pas la maman de... J'ai encore oublié son prénom, on va dire Martine. Je pense que c'est elle. Qu'elle en a parlé de cette histoire de divination. On peut vous parler ou pas, madame? Non? Vous voulez pas me parler? Ça va pas être facile d'être professeur si vous voulez pas parler aux élèves. Comment ça se passe? Ouais, ok. Plus simple que ce que je pensais. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. C'est toi qui as caché les baveboules? Fais gaffe, en garde! Ce guide du sorcier vient... 100 mètres. Par où est-ce que tu me dirais d'aller, toi? Par là? Ok. C'est vraiment pratique ce petit truc là. Les gars ont pas fait ça à moitié quoi. Revelio. Juste pour être sûr. Ah, on est passé là-bas tout à l'heure. Oh 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 oh. Lumos. Alors ça me dit rien du tout. Mais bon, je suis pas là pour ça en réalité. Oh si, oh, il y a un truc là. Allez, viens avec moi. Bon, on va le faire hein, du coup. Il y a deux machins. Attendez, on va ramener ce truc là. J'ai l'impression que l'école est un peu vivante en fait, en vrai. Tac. Merci. On y retourne. Bon, il y a une nouvelle énigme. Alors attendez, ils étaient où? Oh là, il y a un coffre. Lunettes œil du dragon. Ça peut pas être pire. Équipement. Oh si, c'est pire. Ah, ils ont vraiment des goûts, les magiciens un peu étranges. Ça en fera après. Et du coup, où est la porte? Elle est là. Ah, super. Alors, on va voir si ma théorie est la bonne et est-ce que c'est la même chose à chaque fois. 1 plus l'araignée qui est en position, donc 8. Ça fait 9, donc il faudrait 4. Le hibou... 0, 1, 2, 3. Attendez, 0, 1, 2, 3 et 4, ce serait... Je sais pas ce que c'est. Ça serait ce truc-là. On dirait un piaf. Et le double. Donc 13 plus l'hydre. L'hydre qui est en quatrième position, donc ça fait la numéro 3, ça fait 16. Du coup, 5. 5, ça serait quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, le crabe. Si c'est la même logique que l'autre, ne me dis pas qu'il y a des soustractions. Non, c'est bon. J'aurais été dégoûté. Un peu de moula. Collection mis à jour les arbres. C'est bien, mais je voulais pas un arbre, madame. Oh non! Vos emplacements d'équipement sont pleins. Vous pouvez vendre les équipements dont vous n'avez pas besoin aux marchands. Ah! Bon, vous savez quoi? Je vais faire un aller-retour. Je sais pas où on est. Je
veux juste savoir où on est. J'ai vu qu'il y avait une flamme là. Bon, je vais faire un aller-retour après Olar pour vendre les équipements inutiles. Je savais pas qu'on avait vraiment une limite. C'est bon, bon, du coup, j'ai pu tout vendre et normalement, on a de la place pour récupérer quoi? Des gants de duel raffinés. Bon, on en a déjà eu, en fait. C'est le truc qu'on venait d'avoir. En gros, gants de duel de mage noir et là... 18, ouh! Eh ben, allez, let's go. Franchement... Mon dieu, faut vraiment qu'on change ça. Et du coup, on va pouvoir finir la quête de Martine. Alors, il y en a un là, je le vois direct. Action. C'est l'une des baveboules. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Il en reste deux. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je vois une lumière, je vois quelque chose. Peut-être qu'il faut le réparer, il est peut-être cassé, on sait pas. Non. J'imagine que c'est par là, ouais. Hop. J'ai cru que c'était le professeur dans les films. Normalement, il est pas encore né. Hop. Oh, il y a encore une de ces pièces là? Il y en a combien de ça? Revelio. Oh, il y en a un là, il y en a. Bon, bah on va le faire, hein, du coup, franchement, on va pas passer 50 fois devant. Alors, du coup, 15 plus 2, ça fait 17. Il nous faut 8. Ce qui serait l'araignée. Ok. Alors 19, ça ferait donc l'hydre et l'hydre. Donc là, c'est 0, 1, 2, 3 et 9, ça fait donc 12. Donc il nous faut 7, qui serait l'espèce de poulpe. Voilà. Ah, ça n'a pas marché, j'ai fait une bêtise. Ok. Alors attendez, je crois que je me suis trompé et que ça serait la salamandre en fait, parce que ça fait 6. Et n'importe quoi là. Bah tiens, voilà. Est-ce que ce serait bon? Oui. Et les mathématiques, les gars, qu'est-ce qui se passe? Lunettes de soleil. Blason mis à jour. Alors, mettons nos lunettes de soleil, parce que là, j'en peux plus de celle-là. Il nous faut le niveau 10. C'est pas grave. On l'aura peut-être en rendant les bonbons à la petite. Oula. Ça peut pas être très loin ces machins. 35 quand même. Mais c'est pas censé être le bureau et tout de... Il nous dit d'aller par là. Ah génial. On sera pas venu pour rien. Tac. Stylé vraiment les décors. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans le. T'as bien fait de parler, je l'avais pas vu. C'est toi qui fredonne? Il en reste un? Il en reste un. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? Ah, attention, apparemment, il y a une page. Oh, un coffre. Haute forme, dernier cri. Oh, attendez, c'est quoi ça? Trophée de botanique de Boudlard. Alors, on est content de l'avoir.
Revelio. Ah, il est juste derrière. Oups. C'était pas ce que je voulais faire. Voilà. C'est la dernière baffe boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Eh ben parfait. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Alors, faudrait que je me familiarise un petit peu plus avec ces trucs-là. Où es-tu ? Place du professeur Fig. Manche de baguette ? Ah, excellent. Je sais pas lequel est le plus proche. Nous, il fallait qu'on aille voir le professeur Fig. On va aller à l'autre à côté parce que j'imagine que c'était pas ça. Quoique si, vu que c'était, on était en train d'y aller quand on l'a rencontré. Ah, elle est juste là. Bon, en plus j'ai repéré un petit panneau. Où je puisse trouver comment remonter après. Ouais, c'est bon. Parfait. Voyager était incroyablement pénible avant que... J'espère que tu arriveras mieux que moi à retrouver mes baffes-boules. C'est fait, ma petite. Mais sois gentille avec les autres. J'ai retrouvé toutes tes baffes-boules. Vraiment ? Je ne pensais pas que c'était possible. Comment tu as fait ? Du bon sens et quelque sort très simple. Eh bien, je peux récupérer mes baffes-boules ? Bien sûr. Bien sûr. Elles sont à toi, après tout. Oh, c'est génial ! Vous pouvez vraiment être méchant, quoi. Je te dédierai toutes mes prochaines victoires. D'ailleurs... Maintenant que j'ai récupéré mes baffes-boules, je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. Allez. Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer, après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer. N'est-ce pas ? Oh, on va bien s'amuser et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger, et dont je ne ferai pas partie. Très bien, j'y vais. J'aimerais bien que tu te fasses asperger, du coup, quoi. Vraiment. Un peu trop arrogante. Oh. Ah, on a toujours pas le même niveau. Mais en tout cas, on a récupéré un objet de manche, si j'ai bien compris. Ce modèle impressionnant là, de poignée aux anneaux violets. Oh, stylé, ça sert à rien? C'est juste cosmétique? Ok. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on ira voir le professeur Fig. En attendant, moi, je vais un petit peu fouiller un peu plus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite.